Jean Noutet annoncé sa président Jovenel Moïse retourner dans le pays à journée vendredi à dans Port-au-Prince après une semaine dans ville New York. Chef l'État a participé dans 72e Assemblée générale ONU Peterson. Enfin, nous disons que chef l'État a rappelé dans presque toute rencontre li fait pendant passage l'île en New York, bataille contre corruption, tenamite en discussion. Jovenel Moïse a annoncé divers programmes qui prennent sous pied pour accompagner la population. Président Jovenel Moïse Dynamico, Macgerson Philistin. Nous tous ces haïtiens, moi parce que je vous dis, nous avons une équipe qui travaille. Nous avons une équipe qui travaille pour la paix et la sérénité blaïe dans tout haïtien. Moi pense que l'équipe ça, c'est une équipe pour tout le monde qui a été mis après. Quelle que soit la différence politique que nous avons, quelle que soit la chaque pensée, ce n'est pas notre âge à faire monde. Nous avons des problèmes politiques. Problème politique que nous avons tous tout seul côté, pas de côté. Non, élection. Ça veut dire, peuple là, votez mon première fois. On connaît, il y a un hélicoptère, il y a un avion, il y a une ambulance, il y a un gaz. Faites la voter en deuxième fois. Après le problème, sans tabulation, problème, moins bien élection en premier tour. Aujourd'hui, c'est même peuple ça prend. Mais c'est normal, il y a 56% de monde qui a voté, mais il y a 44% qui n'a pas voté. C'est démocratie. Mais démocratie, hein, faut nous tous d'accord que les joueurs démocratiques là, ils veulent pour aller en élection. Pour faire une campagne électorale, même si j'ai fait 22 mois dans la rue, nous convaincre le peuple. Nous convaincre avec l'équipe. Nous bataille, nous faisons bataille de communication, nous faisons bataille promesse que le peuple a bon pouvoir à promesse. Oui. Si nous te promettons, c'est bête. Si nous promettons, moi doué, il faut me payer ça. Mais je vous dis, c'est pour ça, après application, vision, ma programme à la lettre. Nous avons dit dans la campagne là, on va faire. Parce que c'est pour mettre, moi te promettre, faut moins. Remettre ça me dépôt. Mais on comprend tout. Pour nous qui perdons l'élection, ce n'est pas facile. Parce que nous-mêmes, nous avons un choix, nous avons un choix, nous faire pour payer. On comprend ça. Mais malheureusement, c'est moi qui gagne, c'est le programme d'Amna, c'est lui qui doit appliquer. M'attendez tout. Programme moyen, on ne pas dit son programme qu'il a, qui est parfait. Qui est en cours, son programme qui est potentiel. C'est pour ça, on a décidé d'ouvrir le dialogue. C'est pour ça, on parle à tout le monde. En pile monde dans la société. Pour leur gagner des décisions, je prends les bras pour me connaître la pile monde qui va appuyer. Programme ma vision n'est clair. C'est clair. Tout le monde connaît. Moi, je dis, il faut aller courant dans toute taille, tout côté dans le pays à 24-24. Il faut aller de l'eau pour tout le monde boire, de l'eau pour nous bénir, à de l'eau pour paysans ou les jardins dans toute plaine dans le pays. Moi, je dis, il faut nous planter des bois dans le monde tant qu'on est en plaine. Nettoyer toute rivière qui est dans le pays. Protéger bassin versant. Je vais commencer à faire. En sud, dans la Tibonite, on n'y pas grand. Moi dis, il faut nous bâtir un bon marché pour les gens qui ont un gros moyen. Tant que professeur l'école avec les policiers. C'est ça que nous disons quand on parle. Et c'est pour ça que nous commençons 20 ans pour construction ça. Très prochainement pour nous commencer pour le premier village pour nous ça. Moi dis, il faut nous construire une route avec l'école dans tout le pays. Mais est-ce que 5 bagages ça, ce n'est pas 5 bagages que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord pour le faire. Mais c'est tout le monde d'accord pour le faire. Nous avons des gens pour le faire. Comment pour le faire? Il y a des décisions qui vont prendre. Voilà, c'était en bout dans la déclaration président République là, Jovenel Moïse, mais faut que nous disions c'est plaisir. Partisan PHTK qui était venu accueillir président Jovenel Moïse devant l'aéroport Toussaint l'ouverture jeudi vendredi 1. Manifestants yo dénoncé opposition, yo dit qu'il empêchait chef l'État travail dans l'intérêt population. Faut que nous disions président t'es marché à pied à foule là sorti dans l'aéroport pour arriver qu'à fois l'aéroport malgré tes gains quelques roches qui t'a tiré dans quelques endroits. Sous pas quoi, donc quelques manifestants et dans le micro, ma garçon Philistère. Je dis à nous là, nous venons avec le président noir, nous venons supporter le président noir qui se fait un bel placé dans le pays étranger. Et nous tout venons avec l'opposition, le pays ça, il n'y a pas de pays seulement. Si je dis à quelqu'un qui a une volonté pour travailler dans le pays, il faut que vous avez une chance pour travailler parce que le pays a, il n'y a pas de résumé à trois tigres nous. Je dis à nous, président Jovenel, nous devons voter nous-mêmes, nous devons voter pour 5 ans. Si on monde veut le président, ou le président dirigeant pays, on va passer par voie électorale, c'est le peuple à Koumeto. Nous-mêmes, nous sommes Colim, c'est coalition pour libérer les militants. Ça veut dire,
aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui te bataille dans toute la rue. Qui devait 22 manifestations, qui devait 22 manifestations, qui devait 20 mois de campagne, qui devait toute qualité de bataille net. Les lettres sont en campé. Je te dis, je te voulais dire, je viens dans le ça. C'est nous-mêmes qui te campé, je te dis, on va faire. Et je dis à nous gourmets, nous mettons venir depuis le premier tour. Nous devons faire nous-mêmes. Nous devons faire 23 manifestations, 20 mois de campagne. Nous donnons opposition sans proposition, sans conviction, sans vision. La fin chercher, Jovenel Moïse. Nous connaissons nous bataille pour nous mettre Jovenel Moïse côté lié. Je dis à la nous prenons la rue à nous-mêmes Colim, coalition pour libérer militants. Nous venons chercher le président, nous parce que c'est nous bataille pour lui. C'est nous mettre là, nous venons chercher là. Nous-mêmes nous disons, Jovenel Moïse dit là pour 5 ans. Jovenel Moïse dit là pour 5 ans. Et puis donc, Jovenel Moïse, pour la pour 5 ans. Jovenel Moïse, pour la voilà, au tap côté réaction, quelques manifestants qui devinent accueillir un président Jovenel Moïse dans l'aéroport pendant les sorties participer dans la 72e Assemblée Générale de l'ONU. C'est dans l'élection seulement un monde qui prend pouvoir, déclaration président Jovenel Moïse qui montrait n'est pas d'accord avec aucun monde qui voulait craser briser pour faire revendication au passé. Jovenel Moïse rappelait le travail pour la population en 24 sur 24 pour un renouvel engagement pour respecter promesses campagne. Jovenel Moïse dans le micro, Matt Gerson Finistère. J'aime tout t'étendre. Dans toute grosse rencontre médiane, lutte contre corruption et mise en œuvre priorité administration, c'est lui-même qui a fait dialogue toutes semaines sur le passé à New York. J'ai rencontré le président Bidla, M. Luis Alberto Moreno. J'ai discuté tout cas avant nous qui sont stratégies pour exécuter le projet prioritaire gouvernement. J'ai tout le pays sous la tête. J'ai commencé à faire. Depuis l'année 2000 en Angleterre, le mois d'administration politique qui montait, on toujours créé une stratégie, même j'en ai fait au Canada là, avec le Premier ministre Trudeau, même j'en ai fait avec le président Medina depuis 2013 en République dominicaine. C'est ça, il y a une unité d'exécution qui permet de travailler pour exécuter, ou les bras politiques là qui permettent d'exécuter. C'est ça, la stratégie que nous mettons aujourd'hui, qui fait que nous décidons de retirer l'État à terre. Et c'est ça que nous parlons tout avec le président Bidla et qui est d'accord pour renforcement de l'État et aide pour allier, on parle de aide au développement. Parce que nous sommes clairs, aide au développement qui baille dans le pays, depuis 40 dernières années, il y a plusieurs dizaines de milliards de dollars qui baillent. Et pour ton pays, nous avons la projet. Donc nous avons une bonne décision pour que comme ça, dans l'édition de compte, dans la lutte contre la corruption, c'est l'État qui a géré tout ça qui a entré dans le pays comme aide au développement. Discussion était franche avec Bid. Nous sommes d'accord de ne pas être d'autres erreurs qui méritent de corriger. Et il faut nous dire, discussion était centrée sur l'infrastructure énergétique. Parce que pas oublier que les barrières internationales ont retiré nos affaires courantes depuis presque un an. On va venir mettre comme de là-dedans encore. Parce que affaires courantes, c'est un peu son tout le monde s'en fout, son panier, ou bien la rivière, ou la beauté de l'eau. Ça veut dire, monsieur, tu es décidé pour suspendre le pays de la carotte là. Mais on a parlé que je parle avec vous, on dit qu'aujourd'hui, nous décidons pour les affaires courantes l'autre genre. Nous décidons de construire un réseau électrique national et nous décidons pour nous distribuer et commercialiser courant de l'autre façon. Ça veut dire qu'on fait le prépayer au lieu de post-payer. Ça veut dire que nous besoin d'acheter courant, on va payer courant d'avance au lieu de payer l'après. M. Moreno était très content d'apprendre ça. Et il paraît pour le vini. En octobre en Haïti, nous avons une grosse surprise pour annoncer la bonne fête. Nous parlons avec lui sur l'infrastructure hydraulique et sanitaire. Nous connaissons comment l'eau est un bagage qui est important dans la vie de l'eau est un bagage qui est important dans le jardin. Mais malheureusement, en Haïti, il n'est pas que c'est la direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement. Il n'y a pas de jambes à la valeur. Il n'y a pas de jambes considérées que sont gros institutions qui viennent dans le pays. Nous parlons pour que du départ, nous rebalons forme. J'en nous fais un budget rectificatif là. Dans le rectificatif là, nous avons mettre 502 millions de gouttes dans le départ. Et du départ, ça, le budget est zéro. Il va déjà mettre 5 ans depuis plusieurs années. Depuis le budget rectificatif là, du départ, il y a un argent qui permet de capable commencer à acheter équipement et matériel pour mettre de l'eau potable dans le robinet Kaimoun avec la fontaine dans toute section communale dans le pays. Nous avons parlé des infrastructures routières avec lui tout, parce que nous connaissons Bid, il est très impliqué dans faire route dans le pays. Nous avons expliqué que je vous dis, ce n'est pas toute route que l'État a des possibilités pour d'avoir gros contrats. Il y a des routes, l'État est capable de faire en riche. Il était d'accord avec nous. Et il dit tout, il annonce que la bien pour faire l'entrée en octobre.
programmes sociaux et puis logement l'autre. Parce que nous connaissons un pays qui est vulnérable tant que le pays d'Haïti n'est pas qu'à vivre sans projets sociaux. Ça veut dire nous songer que nous choisissons 7 projets. Parmi lesquels il y a un qui est volontaire, c'est crédit étudiant. Mais nous choisissons Corée étudiant, nous choisissons Corée paysan, nous choisissons panier solidarité, restaurant communautaire, cantine mobile. Aujourd'hui, on a travaillé sur eux pour permettre que nous remettions sous pied les petits mamans chez Ouvia qui étaient 86 000 mamans. Nous avons décidé de mettre 120 000 mamans là-dedans à travers 10 départements pays. Le projet ça, c'est à travers FAES, le Fonds d'assistance économique et sociale, que y a fait. Je crois que BID répond nous positivement tout pour nous un accompagnement dans le niveau ministère des Affaires sociales pour FAES capable de gérer le projet ça. Voilà, c'était un bout dans la déclaration président Jovenel Moïse après l'y tourner sorti dans 72e Assemblée Générale ONU qui était à fait état de ensemble projet l'Abgain pour réaliser l'enjeu qu'a venu là pour satisfaire revendications population.